Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je vous ai fait la présentation d'un premier rabot, un rabot Lee Nelson numéro 164. C'est un rabot à angle faible et je vous avais expliqué tout le bien que je pense de ce rabot. Pour moi, c'est l'un des rabots les plus polyvalents. C'est le rabot qu'il faut avoir. Si vous voulez, je vous mets la petite fiche dans la description et ici accessible en haut de la vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de ce numéro 164. Alors ce numéro 4, qu'est-ce que je dis? C'est un numéro 4 en bronze et il a une valeur sentimentale toute particulière parce que c'est un cadeau que m'ont fait les anciens élèves de ma formation. Les deux premières sessions, ils se sont cotisés, ils m'ont fait cette surprise, ils m'ont filmé en train de déballer ça. J'ai complètement halluciné. C'est un rabot que bon, j'avais même jamais osé rêver me l'offrir. Le numéro 4 me faisait de l'œil, mais un numéro 4 en bronze, c'est encore un petit peu au-dessus. Alors, j'ai pas fouillé au niveau des caractéristiques que cela entraîne spécifiquement le bronze. Ce que je sais, c'est qu'ici à La Réunion, non loin de la mer, avec beaucoup d'humidité, mes outils sont très vite piqués avec des petites traces de rouille. Ici, ça ne sera pas le cas. Il y aura bien sûr un côté mat qui va se mettre en place, mais qui ne me dérange pas. Le côté brillant, bling bling, c'est pas trop mon truc. Alors, j'arrête là pour ce qui est du blabla. Je vais profiter de ce magnifique rabot qui est un rabot de finition pour refaire toute la finition du dessus de l'établi. Il a morflé depuis 3 ans, un peu plus même que je l'utilise. Il y a des traces ou autres. Je vais le rendre parfaitement lisse. Ça va être l'occasion de vous montrer à quel point ce rabot fait du super boulot. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous voulez connaître 2-3 petites caractéristiques, je vais le comparer avec ma varlope, etc. Allez, bon film. Avant de rentrer un peu dans les détails, l'anatomie, le fonctionnement et de vous dire tout le bien que je pense de ce rabot, je fais un petit retour en arrière sur la finition que j'ai appliquée au niveau de l'établi. Il y a quelques années maintenant, je pense que ça fait plus de 3 ans qu'il est fait cet établi. Donc là, on a une première fois où
Je refais de la finition. On ne peut pas parler d'aplanissage. Il n'a pas pris de choc. La géométrie était encore bonne. Donc, j'ai simplement fait une finition. Et vous pouvez voir ici que lorsque j'ai construit l'établi et que j'ai fait le travail d'aplanissage, etc., j'avais utilisé les règles à bord noyé. J'avais utilisé cette varlope avec un travail en diagonale, comme vous avez pu me voir faire, un travail en diagonale croisé et après un travail dans la longueur. Ici, je n'avais pas besoin de retravailler avec la varlope, avec quelque chose de très long. La planéité de l'ensemble était encore très bonne. Pour ce qui est des produits de finition, j'ai mis un bouche-port et j'ai ensuite poursuivi avec une cire. Ça peut paraître contradictoire de décider de mettre une cire sur un établi alors que l'objectif, c'est que nos pièces de bois restent immobilisées et la cire, eh ben, elle va faire glisser les pièces. La cire, elle a pourtant un gros avantage, c'est que lorsque je vais faire tomber des gouttes de colle, des gouttes de finition, eh ben, vous les grattez simplement avec l'ongle et tout s'en va. Donc, ça demande un petit peu plus de force, un petit peu plus de pression, mais avec la presse en bout, avec la butée centrale qui est comme ça escamotable, on n'a absolument aucun problème de fixation sur le dessus de cet établi, ce qui fait que j'ai refait la même finition que celle que j'avais expliquée et détaillée dans le livre. Ceux qui ont le livre, on est à la page 90 au niveau de l'aplanissage et de la finition. Ceux qui n'ont pas le livre, il est disponible sur le site. Je vous mets un petit lien juste au-dessus. Vous y avez absolument tous les détails, y compris l'aplanissage, la finition, etc. Voilà, je pense avoir… je ferme cette parenthèse sur l'établi et je vais revenir sur ce rabot Lee Nelson et plus particulièrement ces deux rabots qui ont une structure classique. Ici, on est sur des rabots à angle faible, donc pas de contrefer, un biseau vers le haut. Ici, on a le biseau vers le bas. Donc, quel que soit l'angle d'affûtage, vous aurez le même angle de coupe. On a des rabots qui fonctionnent exactement sur le même principe. Impresseur. Une lame avec un contrefer, donc vous voyez la lame, elle est ici à ma gauche, le contrefer ici, on va parler un petit peu de son réglage, et ici on a exactement la même chose, fer contrefer, une varlope numéro 7, elle est plus large que ici un numéro 4, je crois qu'elle a la même largeur que le 4,5, ça serait à vérifier pour les spécialistes. Là où on va commencer à avoir de la différence entre ces deux rabots, c'est qu'on en a un qui a été fait en 2019 et on en a une ici qui a été faite dans la première moitié du 20e siècle, je crois avant 1940, il faudrait vérifier, il y a des abacs qui expliquent tout ça. Et la grosse différence est du coup dans la fixation ici du chariot. Ce qui fait l'angle de coupe sur un rabot classique, c'est l'angle ici du chariot que l'on retrouve à ce niveau-là. Ce chariot, il doit être super plat. Il a en place le système d'angle et il a en place également le système de molette qui vient se prendre dans le contrefer et qui va permettre de sortir ou de rentrer la lame. Donc là, on a vraiment la même évolution. Ici, on est sur une mécanique qui a donc, on va dire, pas loin de deux fois mon âge. Forcément, qui a un peu de jeu. Vous avez un peu de jeu. Ici, voilà, il n'y a pas de jeu. C'est très agréable, ça réagit très rapidement. Alors, très semblable, j'étais en train de vous dire qu'il y a une différence. La différence, elle vient du fait que si vous voulez déplacer le chariot sur cette vieille varlope, je vais devoir sortir la lame, dévisser et après retravailler ici dans l'axe avec une vis de réglage qui va me permettre de faire avancer et sortir. Pas sortir, mais avancer et reculer le chariot. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à faire avancer et reculer le chariot sur un rabot classique? Tout simplement parce que l'avant ici n'est pas réglable. Alors Veritas, dans leur série de rabots personnalisables, on peut choisir la forme de la poignée, etc. Ils ont sur des rabots classiques, donc avec un chariot, choisi de ne pas avoir de réglage par le chariot, mais d'avoir un réglage par l'avant de la semelle du rabot qui va venir avancer et reculer. Donc pour ceci, ils se sont inspirés du rabot à angle faible
qui a en fait un système de double semelle à l'avant et qui va permettre de régler comme ça la longueur de l'ouverture de la lumière. Je ne vais pas revenir sur cette histoire d'ouverture de la lumière. Quand je vous ai présenté ce rabot, j'en avais parlé. Dès qu'on est sur un bois difficile, on va devoir fermer la lumière. Et vous m'avez vu au cours du rabotage commencer avec une lumière relativement ouverte, commencer avec un décalage à ce niveau-là entre le tranchant de mon fer et le bord du contrefer qui était relativement important, j'étais à un peu plus d'un millimètre. Et puis une fois que j'ai eu fait mes deux couches croisées avec un copeau un petit peu plus épais, pour autant je pense qu'on était encore autour du dixième de millimètre, une fois que j'ai eu fait ça, globalement une fois que j'ai eu blanchi les surfaces mais modulo les coups, les morceaux, bah voilà, c'est un établi qui, contrairement à ce que beaucoup m'ont dit, vit, il n'est pas dans mon salon. Donc ici, comme le plateau est reconstitué, par exemple, j'ai ces deux latelas ici, donc à peu près 10 cm de large, eh bien, qui ont une orientation des fibres qui demanderait plutôt à raboter dans ce sens-là, tandis que le reste du plateau va plutôt être raboté, et vous m'avez plutôt vu le raboter dans ce sens-là. Alors, je pourrais faire des petites passes dans un sens, des petites passes dans l'autre, et c'est ce que je ferais si c'était un établi d'exposition dans mon salon. Mais c'est un établi de travail, qu'on se le dise, je ne changerai pas d'avis. Donc, j'ai réglé le rabot le mieux possible. Un tout petit décalage, on va dire à peu près un demi-millimètre de décalage entre le tranchant et le contrefer. J'ai réduit la lumière à moins d'un demi-millimètre. Ce qui fait que vous avez simplement, là où ça risque d'être arraché, vous avez un appui qui est juste devant. Bien comprendre, donc voilà, vous allez glisser, faire un copeau. Si vous avez du contrefil, le copeau il va tendance à vouloir faire de l'arrachement. Mais si vous avez quelque chose qui vient appuyer juste devant, le copeau, il ne va pas s'arracher, il va être plaqué, il va donc être obligé d'être coupé. Le contrefer, lui, c'est autre chose. Son rôle, ça va être de briser le copeau. On va s'amuser dans un instant à faire un copeau avec le contrefer réglé, on va dire, à 3 dixièmes du tranchant. On réduit énormément le risque d'arrachement quand on fait ça, tout simplement parce qu'on brise cette fois-ci le copeau. Et en le brisant, en le cassant à chaque fois que l'on avance, on va faire un copeau qui va ressembler à du papier crépon qui est tout ratatiné, mais qui va grandement diminuer le risque d'arrachement. Donc vous voyez, sans rentrer dans les détails, on va voir un petit peu comment on le règle. Mais en réduisant la lumière, plus on va réduire la lumière, plus on va rapprocher le contrefer du tranchant, bien sûr en partant du principe que notre fer est irréprochable au niveau de l'affûtage, eh bien, plus on va pouvoir travailler sur un bois difficile. Et vous commencez à me connaître, j'ai mon petit bout de bois qui est ici. Cet affreux bout de bois de frêne avec une texture qui part dans tous les sens, des fibres dans toutes les directions. Si un rabot est capable de raboter ce bout de bois, j'estime que c'est un bon rabot et qu'il est bien affûté. Alors, je range tout ça, je vous fais quelques petites images du réglage et on le met en pratique sur ce bout de bois parce que la pratique, vous l'avez déjà vu, elle est plutôt bonne. Bon, sans y passer des heures, regardons un petit peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez la molette qui va régler en continu, comme sur le 164 que je vous ai déjà présenté, qui va nous permettre de régler la profondeur de passe. Ensuite, si on veut réduire ou augmenter la lumière, on va déverrouiller ici ces deux vis. Alors, je n'ai pas tout démonté, mais contrairement à la vieille varlope, il n'y a pas les deux vis ici. J'imagine qu'on travaille avec un excentrique. On a juste ici une petite trace de poinçon qui doit nous donner l'axe. Et donc, ces deux vis ici avec une sorte de pointeau doit permettre de plaquer le berceau. Et une fois qu'on a desserré ici, j'ai simplement la possibilité ici d'avancer ou de reculer le chariot. Ce qui fait que on a la possibilité de changer l'angle d'affûtage sur un rabot comme celui-là, mais ça veut dire qu'il faut changer tout ce bloc-là, tout le support. On en trouve. Ici, ça doit être un 45 degrés, on doit en trouver à 50 degrés. Je ne connais plus exactement toutes ces...
tous les angles disponibles. Une fois qu'on a réglé, alors ici, bon, je vais le reculer parce que je pense que je l'ai bien avancé, je ne vais pas le verrouiller, on va mettre la lame. Donc ça, c'est fait. Mon fer est affûté, mon contrefer doit vraiment être propre. Je le glisse, je le recule tout de suite pour ne pas risquer de venir ébrécher le tranchant. Et après, je me rapproche. Donc, je vais ici lui faire un réglage, on va dire classique, un petit demi-millimètre entre le contrefer et le tranchant. Alors, le contrefer est mis en place, il est sur le dessus. Je vais venir glisser mon fer comme ceci. Alors, avant, le réglage de l'angle, la lame, elle a toujours tendance à partir un peu à gauche, à droite, qui se fait ici avec cette poignée. Vous avez la petite molette qui est au bout, là, le petit rond qui est au bout, qui va venir se glisser dans la rainure du fer. Tandis que la molette que l'on actionne pour la profondeur, elle va venir se glisser à ce niveau-là, dans la petite fente du contrefer. Ce qui signifie que selon le réglage du contrefer que vous faites, vous perdez le réglage de la molette. Vous avez réglé une profondeur de copeau qui est juste, mais vous choisissez de diminuer, de réduire ou d'augmenter la distance entre le fer et le contrefer, votre réglage de profondeur n'est plus juste. Alors, faites attention à ne pas cogner quand vous mettez en place. Voilà. Ici, on est en place. Cette vis ici, en fait, elle se règle à la main. On n'a pour ainsi dire jamais besoin du tournevis. Elle se règle presque une fois pour toutes. Ici, j'aurais pas dû la toucher. Si vous estimez que vous n'avez pas assez de pression, vous faites un petit tour. Il n'y a pas besoin d'avoir une pression énorme, un petit claque, j'ai pas forcé. La lame, elle ne bouge pas. Alors ici, tout bouge encore, tout simplement parce que tout à l'heure, j'ai changé le réglage du chariot. Je vais l'avancer un tout petit peu, le verrouiller. Donc là, c'est les deux petites vis qui sont derrière pour le verrouiller. Voilà. Là, j'ai un rabot avec globalement un contrefer qui est à moins d'un demi millimètre du tranchant et une lumière qui est à peu près de moins d'un demi millimètre. On va pouvoir tester ce que ça donne. Bon, là, on vient de tester deux réglages sur un petit panneau d'érable avec un contrefer très fortement rapproché du tranchant et les copeaux un peu papier crépon. Un autre réglage type finition, hein, mais en éloignant très légèrement le contrefer. C'était un bois facile. Maintenant, je bascule sur mon petit bois avec beaucoup de contrefil. Pour le moment, je garde le réglage classique. Sans rapprocher le contrefer, et tout à l'heure, je rapproche le contrefer. Donc, vu comment est orientée les fibres, elles sont comme ceci ici et comme ceci ici. Donc là, je rabats, c'est irréprochable. Là, je pourrais imaginer avoir de l'arrachement, j'en ai pas. C'est un petit peu moins doux. Ici, c'est vraiment doux dans les deux, que ce soit à l'aller ou au retour. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de rabot dans l'autre sens pour voir si c'est vraiment irréprochable. Ça change rien. Je vous montre la tranche quand même. Vous allez voir à quoi ressemble le fil. Ici, il est orienté comme ceci.
et pour autant, ça brille. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous explique à quel point je suis satisfait du résultat, des caractéristiques de ce drapeau. C'est un vrai bijou, tant par l'esthétique que par la technique, que par tout ce qu'il est capable de faire. Donc je voudrais tout de suite dire un énorme merci à mes élèves. Je ne me serais pas fait ce cadeau. Ce n'est pas un cadeau que l'on va se faire facilement parce que c'est un cadeau d'un certain prix. Si j'avais eu ce rabot il y a 15 ans, alors que je débutais en affûtage, alors que je débutais pour apprendre à régler tout ça, que j'avais pas lu grand chose, pas essayé grand chose, c'était un petit peu donner une McLaren à un jeune fougueux qui vient d'avoir le permis, on sait qu'il va pas faire 100 km. Je suis très content, il arrive à point nommé, à un moment où j'apprécie de plus en plus de prendre mon temps, de faire un joli copo, d'apprécier les moments à passer dans l'atelier, ces moments où on est simplement connecté, un petit peu débranché le hamster là-haut. C'est ça, le travail avec les outils à main. J'ai envie de dire, testez-le avec des outils bon marché pour commencer. Ça va vous permettre d'apprendre à affûter, d'apprendre à régler les rabots. Vous aurez déjà de très bons résultats. Et puis à un moment ou à un autre, faites-vous un plaisir comme celui-là. Ça a un prix, mais à côté de ça, ça n'a pas de prix. Vous pouvez le trouver chez Michel Horioux. Michel Horioux, c'est celui qui fait les rabots piqué main. Il revend toute la collection des rabots Lee Nelson. Je vous mets un petit lien. Non, il n'y aura pas de fiche. Ça sera un lien dans la description. Allez voir, faites-vous un jour un cadeau comme ça et c'est certain, vous ne le regretterez pas. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Racontez-moi un petit peu quel type de rabot, par quoi vous avez commencé. Je l'ai pu moi, mon premier rabot, mais j'aurais bien aimé vous le montrer. Faites vos armes et un jour, je suis certain que vous ferez les mêmes copeaux avec un aussi joli rabot. Allez, bye bye, bonne semaine, à très très vite.